fuck out! Motherfucker! Boom! Yo! The Mafia! Oh, 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 BAM! Hey, salut à tous les amis, c'est Oka, et on se retrouve pour une nouvelle mission sur Soldier of Fortune XX. Alors la dernière fois, j'ai voulu jouer tranquille, et je suis parti sur un mode assassinat sur un terrain qui était relativement sympathique, donc je me suis dit, écoutez, on va le faire avec vous en vidéo, ça va être beaucoup plus sympa. Donc allons-y. Je vais prendre un SOCOM. Je voudrais essayer de voir comment on me fait marcher cette putain de visée laser. Ouais, pour la peine, je vais même prendre le livret du jeu, vous savez quoi, et je vais chercher, je vais fouiller dans les touches, dans le truc, dans le bordel, dans le machin. Voilà un incendiaire parce que je suis un putain de troll. Voilà. Alors, je vais me permettre de sortir le livret du jeu, parce que j'ai la boîte à côté de moi, hein, allons-y. Tac, et on verra en plein milieu du combat, c'est le mec qui apprend. J'aime une putain de carte postale. Ah non, d'accord, c'est pour envoyer Activision. Oui, c'est un jeu fait par Activision, et je peux envoyer des cartes à Activision. Donc, je vais prendre cette carte, ils vont voir arriver la carte Soldier of Fortune, ils vont faire « What ?» Le mec qui a acheté le jeu 1000 ans après. Alors, attends. Les commandes. Voilà. Les commandes. Héros ennemi. Mais je m'en fous de ça, héros ennemi. Les commandes. Page Madafucking 13. Alors. Voilà. Parce qu'en fait, j'ai vérifié un petit truc là-dedans. Et au niveau des commandes des flingues, il n'y a pas grand-chose. Il y a recharger l'arme. Choix meilleure arme sûre. Soit meilleure arme risquée. Ça, c'est complètement what the fuck. Alors nous avons attaqué tir principal, attaque secondaire, souris bouton du milieu ou clavier touche alt, donc c'est pour viser en fait, grosso modo. Et là, on a arme spéciale 1, arme spéciale 2, arme spéciale 3, arme spéciale 4, qui sont avec virgule, égale, circonflexe et dollar. Choisir groupe inventaire 1 à 10, non ça c'est facile. Ouais, je vais garder ça sous le nez. On va garder ça sous le nez. Et on va essayer de mettre ce putain de laser, quoi. Il y a un viseur laser sur le flingue, je suis désolé, je vais en profiter. Alors, est-ce que ce serait pas arme spéciale 1 hein. C'est sur virgule, c'est ça. Si je ne m'abuse. Ou point virgule, non, je sais pas, attends, virgule. Virgule, non, circonflexe. Non, attends. Donc déjà, il faut avoir une arme en main, je suppose. Si j'appuie sur virgule, sur virgule, sur circonflexe non plus, sur égal. Non, tu veux pas? Tu veux pas? Ok, tu veux bien me foutre des coups de crosse, d'accord. Si j'appuie sur dollar, tu me fais quelque chose? Non, tu veux toujours pas? J'appuie sur 1, 2, oh! Ah! Oh! 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 Donc c'est 4! T'es mort. Oui, non, mais c'est pas tout ça, mais je voulais pas me faire remarquer. Bon, attends, y a pas des grenades? Si. Excusez-moi, les mecs, mais je voulais pas vraiment que vous m'attaquiez comme ça maintenant. Ouf, les dégâts. Les dégâts d'une arme. Hop, on va essayer d'esquiver la putain de mitrailleuse. Alors. Target lost. Qui me dit target lost? Ah oui. C'est le taré. Ok. Il est loin le taré avec un pompe ou... Oh putain le con. Oh putain, j'ai jamais réussi à l'abattre. Mais meurs. Meurs sale. Oh putain, ils sont deux. Mais vous êtes foutés de ma gueule. Oh là, autant me suicider je crois. Là je suis trop mal. Bon, meurs. Tiens, pour la peine, je vais m'immoler. On va recommencer. Voilà, je préférais m'immoler parce que là, c'était n'importe quoi. Bon, bah nous savons au moins comment activer la visée laser, qui apparemment ne sert que la nuit. Voilà, c'était useless. Alors, là, faut pas se tromper, faut partir par là, déjà. Donc, déjà, toi, là-bas. Hop. Ok, tu ne peux pas mourir. Très bien. Toi, là-bas. Hop, t'es mort. Toi, là-bas. Toi le dog, t'es mort. Mais putain, mais ta tête, toi là-bas, je t'ai tiré dedans. Mais tu les prends, tes putains de dégâts ou bien? Ah, et puis d'accord, il y a un fou qui me tire de là-bas. Tiens, perds ta tête, toi.
Garde ta tête aussi, toi. Tech, là-bas, il y a un fou aussi. Meurs, voilà. Et une dernière balle pour essayer de buter le mec là-haut, qui ne veut pas mourir quand on lui tire des balles dans le crâne. Mais putain! Là, on est d'accord, il est dans sa tête, quoi. Il y a un moment... Ouais, voilà, quoi. Il y a un moment où je suis hésité, quand même. Merci. Ah, voilà, un peu de respect. Ça vient deux secondes, l'irrespect, quoi. Mais là, voilà, quoi. Je te tire dedans, tu meurs. On va chercher les armes de ce type. Oh. T'as un pompe à papa, toi. Bah, il y a des snipers, donc on va pas s'aventurer. What? Eh, oh. Ramasse. Ramasse, s'il te plaît, parce que voilà, ils ont ce flingue qui m'intéresse beaucoup. Parce que j'ai pas d'automatique, du coup. J'ai un pont, ça y a pas de problème. J'ai un méga pont pour les intérieurs que j'aime beaucoup, hein, mon arme préférée quand même. Mais j'ai pas de fusil d'assaut, et ça c'est un problème. Si je n'ai pas de fusil d'assaut, je suis dans la merde. Alors voilà, on admire le magnifique buisson qui tourne. Metagame des jeux d'il y a 1000 ans. Voilà, bonjour. Bonjour. Veuillez me laisser tranquille, le type qui me tire dessus, hein, me laisser tranquille. Pendant que je monte rejoindre son pote là-haut qui est mort. Voilà, hop, hop. Je peux ramasser ton flingue. Ok, les mecs. On en parle du fait que je t'ai abattu à une portée hallucinante. What, mais qui me... Qu'est-ce que tu fous là-haut, toi? Descends là. Oh, j'ai vu la balle dans ton crâne. On va vérifier quand même. Confirmation visuelle qu'il est bien mort, s'il vous plaît. Bon, il semble. Il semble, et eux deux, bon bah eux deux, voilà quoi, y'a même pas besoin de les achever, ils sont complètement décédés. Très bien. Est-ce que je peux récupérer ton putain de flingue à toi? Ah bah voilà. Je vais même zigouiller les bords de fenêtre. C'est pas modifié, n'est-ce pas? Voilà, on va arrêter. On va prendre ce fusil. Est-ce que celui-là a un mode de tir spécial? Ou est-ce que je risque de me lancer une grenade dans la gueule? Non, c'est bon. Ah, attends. Auto. Est-ce que je peux pas switch? Non. Y'a pas moyen de passer de auto à pas auto? Est-ce que là, y'a moyen de passer de auto à pas auto? Ok, y'a pas. Y'a pas un mode de tir? Non? Non, d'accord. Bon, chercher hein, au cas où. Alors ça, on sait comment faire. Y'a rien de... Oh! Hé hé! Oh! Hé hé hé! C'est bien ça. C'est bien ça. C'est trop bien ça. J'ai deux. Qui me cherche là? Qui me cherche? J'ai deux madafucking flingues. On va jouer à longue portée pour l'instant. On va quand même jouer safe. Hein. Une fois qu'on sera dans les bâtiments, si je suis à peu près bien stuff, on va s'amuser un peu avec la portée, enfin avec le double gun. Ce serait marrant ça. Oh, grenade. Oui, bonjour, vous êtes des snipers, excusez-moi, je suis meilleur que vous, pardon, excusez-moi, voilà, merci, au revoir, cordialement, voilà, je vais juste casser la gueule, le mec, je l'ai violé, quoi, genre, il a cru m'abattre, et en fait, non, ah, maman, j'espère que je vais pas me faire troller, parce que la dernière fois que j'ai tenté la mission, il y avait trois gars qui m'attendaient derrière le mur, donc je me suis un peu fait troller, en fait, oh, allez, voilà. Ok, on va prendre de la hauteur. Oh dieu, merde, je me suis tiré dessus. Est-ce que je peux pas prendre un peu de distance avec ce type? Voilà, recharge. Prends ton temps. Mais putain! Je sais bien qu'Activision, bon, codage, voilà, on leur en met plein la gueule et tout, mais là... Là, les mecs, notre jeu, on croira qu'il est en alpha, quoi. Ah d'accord, la tête elle était deux fois plus bas. Bon très bien, la tête n'est pas au niveau de la tête, elle est plutôt au niveau de son ventre. On va rachoper un peu de munitions quand même parce que le MG1, voilà, il m'intéresse un peu ce gun. Y'a pas d'autre type que je peux déglinguer à super longue porte? Ah bah si. Bonjour, excuse-moi. C'est bon? On a fait le tour? On a fait le tour. Et je me casse la gueule du mur et je perds ma SPV, voilà, pour rien. Bon bah très bien, très bien. Là c'est pas mal. On va voir que c'est pas trop mal.
Si je peux choper quelques munitions, oui. Oh bah putain, oui, oui, voilà. Couché. Meurs. Voilà. Un problème résolu, très bien. Très bien, bon, je suis pas trop mal au niveau blindage, mais quand même. Oh, 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 et qui, où? Qui et où se croit droit de me tirer dessus? Ah, c'était eux les tarés. Bonjour. Oups, pardon. Oh putain les bébés. On va te faire exploser toi. Oh la vie qui me manque. Oh la vie qui me manque. Oh pied sniper. Oh, 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 oh là c'est la course. Là je suis désolé mais je peux pas continuer sans vie là. Pas de la vie qui traîne non. Il y a du blindage là, on va essayer de choper le blindage. Blindage, vie. Max de vie. Max de vie. Couvert, oui, qui me flingue? Ah là-haut, très bien. Mais là-haut, là on s'en fout. Ah oui, d'accord, on s'en fout pas en fait, il m'a quand même mis une bonne balle dans la tête. Là. Mais il se calme lui, mais qu'est-ce qu'il fout là, ce con? Je croyais avoir nettoyé la zone, putain. N'importe quoi, ils sortent d'où les mecs? On va abattre les snipers parce que j'ai l'impression qu'ils vont être gênants sinon. Ils sont là-bas. Ah, pardon, excuse-moi. Eh, pardon, excuse-moi, merci. Non, parce que quand même, il y a un moment. J'aurais pu récupérer une munition de ce type, tu te fous de moi? C'est quoi, quoi? Wait, c'est quoi comme fusil, ça? C'est chelou. C'est chelou. Bon, je vous avais promis du double flingue. Alors on va prendre le SOCOM. On va le mettre en mode visée laser parce que c'est la classe. Et on va voir si on peut pas avoir une deuxième main. Ah oui, d'accord, on est obligé d'avoir la... Ok. C'est bon? Bonjour. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression qu'il m'a lancé une grenade dessus? On prend le temps de respirer, on va le recharger un petit peu au cas où. Pour l'instant ça se passe bien. Ça se passe bien, ça kite et tout, tout va bien. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans? C'est qui? C'est pas le boss? Est-ce que je peux pas incendier le boss? J'ai fait de la merde ou pas? Je suis dans quel... Ah si, c'est... Non, c'est l'objectif là. Bon, attends. Apprendre. Écoute, le boss, on va se le faire à ma manière. Bonjour. Putain, collègue de munitions. Bonjour. Excusez-moi. Un peu de santé, de blindage, on sait jamais. Ça peut toujours être utile. D'accord, il était pas dans ce bâtiment. Bon, très bien, il doit être dans l'autre alors. Dans l'autre, hein. Écoute, maintenant que je suis full, on va se ramener à coup de pompe. À grand coup de fusil à pompe dans ses dents, je vais le finir ce boss. Excusez-moi, pardon. Y'a personne? Ouais, j'ai une putain de réserve de munitions en fait.
D'accord, c'est genre si je suis pas bien. Il y a même des casquettes. Ah non, c'est un casque. J'allais dire des casquettes, mais merde, c'est ridicule. Bon, d'accord, c'est une putain de réserve de munitions au cas où. Ok. C'est pour visiter l'étage, c'est ça? Pour se préparer, non? On pousse la porte d'un coup de pied. Là. Pardon? Hop. Hop, excuse-moi. Tac, 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 tac. Pardon, 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 pardon. Bonjour. Oh, ton sang, il a giclé sur le mur. My god, il m'a fait peur lui arriver comme ça avec son pompe. En mode coucou. Coucou, je vais te casser la gueule. Non, non, tu te calmes. On va éviter d'utiliser. Tenez, moi-même, ça permet d'utiliser ça. Ménage. Voilà. Voilà. Oh, niveau munitions, je crois qu'on est pas trop mal. J'ai des grenades de tous les types du monde. Oh, mon stuff est tellement énorme. Bon, il est toujours plein dans ce bâtiment. Hein. Mais où est-ce qu'il est caché, ce boss? Où es-tu le boss? Eh, hey, tu es là-bas le boss. Eh, hey. Où t'es le boss? Où t'es? Où t'es le boss? Où t'es? Voilà, je craque complètement psychologiquement. Bonjour. Au revoir. Ah, t'as pas vu ton pote mourir? T'es sérieux? Par contre, on en parle de l'herbe dans la nuit. On en parle de l'herbe dans... Ah d'accord, elle a disparu. Est-ce que... Je sais que c'est là où t'es, Alexei Nashad. Donc je vais essayer de t'incendier un peu. Putain, ta mère, je veux pas m'incendier, moi, je veux incendier... Nashad! J'ai fait brûler tes hommes! Viens m'affronter. On va le tuer. Ok. Oh, dans ta jambe. Brûle! Quoi ce combat? Ce combat de grenade complètement infâme. Voilà! On a tout brûlé. J'ai brûlé le bâtiment en entier. Mais on l'a eu! À coup de. À coup de grenade. Ouh. On va s'amuser à jouer un peu avec. Enlève tes lunettes. Oh putain, t'as une de ses têtes toi. Pardon. Excuse-moi, y a pas moyen de se baisser? Ah si. Ah, je lui ai tranché toute une partie du visage. Oh, c'est gore. C'est gore. C'est très drôle. Y a pas moyen de... Y a pas un truc un peu plus efficace du genre... Oh. Je suis pas sûr de t'avoir bien tué, donc je vais te finir. Ah, c'est sa cervelle, ça. Est-ce que t'as... J'aime pas ta montre. J'aime pas trop ta montre et j'aime pas trop ton tatouage non plus. Oh, c'est précis quand même, hein. Là, y a pas trop... Elle fait pas trop d'éclat, la balle de sniper, je pensais qu'elle ferait plus. Faut pas laisser de traces. Voilà, excusez-moi, fallait pas laisser de traces. C'était les ordres sont mes ordres. Pff, la violence de ce flingue, c'est pas possible. Je me permets de courir et tout, je fais un bordel monstrueux, voilà, rien à péter. Très bien, oh bah on l'a eu, c'est principal. Mission de ce type, mais de quel type? J'aime pas de quel flingue il parle. Du coup, c'est très bien. Du coup, on va où? C'est ça la question. C'est que du coup, on va où? Tiens, prends un fusil d'assaut pour l'instant. Du coup, on va où? Ah, le point de rendez-vous est là-bas. Enfin, je dis, ah, le point de rendez-vous est là-bas, mais c'est pas... Ah, c'est par là, derrière le mur. J'allais dire la muraille, mais non, derrière le mur. Monte! Je sais qu'on est capable. Bon, y a plus de sniper, je les ai éliminés. Normalement, ça devrait être relativement facile. Ah, il est là-bas, l'hélico. Il y a un truc là-derrière. Coucou tout seul. Alors toi, je sais pas ce qu'on t'a chargé de garder. Mais t'es peut-être le mec le plus... Mais what the fuck, ils l'ont mis dans un cratère, mais la génération aléatoire, mais des fois, me surprend quand même. Ils l'ont juste mis dans un cratère. Le mec, tiens, garde cet endroit. Je sais pas pourquoi, mais garde cet endroit. Et du coup, l'hélico... Attends, je pourrais limite grimper le mur et aller le descendre jusqu'à l'hélico, en fait. Je m'amuse un peu, hein, permettez. Je découvre un peu, parce que du coup, cette map, là, je vous dis, la génération est relativement formidable. Déjà, regardez. Il y a tout un quartier de la map, tout ça. Regardez, on peut aller jusqu'à un bâtiment qui est là-bas, quand même. Donc, ça voudrait dire, là, c'était le point de départ. Donc là, c'était la tour.
Donc on aurait pu aller par là, il y avait un bâtiment là. Ensuite là il y avait de l'eau. On aurait pu faire tout un tour comme ça pour aller jusqu'à un bâtiment là-bas. Complètement useless, mais on pouvait y aller. Voilà, c'est complètement inutile. Typical truc complètement inutile. Bonjour. On n'a pas toute la journée, Très bien, Bonjour, tu meurs. Voilà, je fais péter l'hélico. Très bien, en avant. Alors, 2 étoiles. Oh, bien. Sniper ou tir à distance. Très bien. Par contre, il y a plein de médailles à avoir et je sais pas quelle médaille je peux avoir d'autre. C'est John Mullins. Je suis toujours le même personnage. Donc, précision 36%. Ok, arme préférée M4. Hein, c'est bon. Durée 15 minutes 53, ça va, corps. Nombre de tués 39. Ça va. Je sais pas si c'est un record, mais ça va. Est-ce que... Je me demande juste un truc. Est-ce que ce serait possible de faire la mission assassinat sans tuer personne d'autre que la cible? Genre personne. T'imagines, genre t'es là, tu te balades et tout, et... T'y vas, et hop, tu te balades. Les mecs, tu les kites et tout, enfin, tu t'esquives tout, tu les laisses tomber et tout. Tu fonces dans le truc. Pouf, tu mets une balle dans le crâne, tu te casses. Est-ce que c'est possible? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Est-ce que ce serait possible? Ce sera testé. Je parie, il doit y avoir une médaille pour ça, genre à tuer que la cible, quoi. C'est, genre homme d'honneur, enfin je sais pas, une médaille en or, un truc disant que putain le mec il a trop bien respecté l'objectif. On lui a dit tue lui, il a tué que lui, c'est like a boss. Non, je sais pas. Là franchement je sais pas. Mais écoutez, sur ce j'espère que cette petite émission sur Soldier of Fortune vous aura plu. Et donc n'oubliez pas surtout de mettre des pouces vers la vidéo, ça fait toujours très très plaisir. Commentez-la bien sûr dans la section commentaires juste en dessous. Et bien sûr abonnez-vous à la chaîne pour d'autres aventures sur Soldier of Fortune et une foultitude d'autres FPS. D'ailleurs j'ai retrouvé un Tom Clancy's Raven Shield. Si c'est bien ça, c'est... Oui c'est ça, non Rainbow Six. Rainbow Six Raven Shield. Je crois que c'est celui-là, enfin bref. Tom Clancy's Rainbow Six Raven Shield, nom à rallonge, typical nom à rallonge, par Ubisoft. Voilà, donc j'ai retrouvé ça. Donc je pense que je vais essayer de voir si je peux pas réinstaller le jeu et vous faire quelques vidéos dessus. Pourquoi pas se faire l'aventure? Pourquoi pas? Mais bon, on a d'autres playthroughs qui sont prévus. Là pour l'instant, je pense que je vais pas tarder à me pencher sur le nouveau playthrough sur Harry Potter. Spell of Gold, je continue. Jurassic Park, je continue. Donc Minecraft bien sûr, bon ça j'en parle même pas, je continue bien sûr, mais je pense que je vais essayer d'attaquer encore un playthrough, donc ça me fait quand même beaucoup de playthroughs en même temps, hein, là, je commence à en avoir beaucoup, hein. ça ferait quand même 3 playthroughs en même temps, chaud à tenir, mais bon, je pense que j'en suis largement capable, c'est pas non plus super compliqué, allez, sur ce, salut à tous, et à la prochaine, allez hop.